Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Totally Accurate Battlegrounds. Il s'agit d'un jeu qui vient tout juste de sortir sur Steam et qui est gratuit actuellement, mais qui sera gratuit uniquement durant les 100 premières heures après sa sortie sur Steam, ce qui veut dire qu'après, il sera au prix de 5 euros ou moins de 5 euros, ils annoncent. On ne sait pas encore pour le moment. Sachez également que si jamais vous avez pris le jeu pendant sa période gratuite, il restera dans votre bibliothèque Steam, même après son passage payant. Donc vous n'aurez pas à le payer après. En gros, au moment où vous regardez la vidéo, si ce jeu vous intéresse, foncez sur Steam et prenez-le tant qu'il est gratuit. C'est un conseil que je vous donne. Bref, sur ce, il s'agit d'un jeu qui a été développé par les mêmes développeurs que Tabs, Totally Accurate Battle Simulator, un jeu de stratégie assez loufoque avec des personnages chewing-gum, comme celui que vous pouvez voir à l'écran pardon, actuellement, qui était très sympa, que j'avais présenté il y a très longtemps maintenant. Eh bien, ils ont fait un jeu Battle Royale qui est tout aussi loufoque, très fun, vraiment détente, en mode what the fuck, déjanté, enfin bref. C'est vraiment pas un jeu où il faut se prendre au sérieux. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que autant ils suivent la mode du Battle Royale, autant ils le font à leur manière. Et du coup, c'est très fun et ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça me plaît beaucoup. Du coup, vous voyez, là, il y a mon personnage à l'écran. Je peux le modifier un petit peu. On a donc le chapeau qu'on peut modifier. Je vous les passe très rapidement juste pour vous montrer le nombre de choix qu'il y a. Ce qui est pas dégueu du tout déjà. Vous voyez, hop. On va revenir sur celui que j'avais. Voilà, j'avais celui-ci. On peut changer leur couleur et tout ça, vous voyez, donc ça c'est pas mal aussi. Pareil pour le torse, on peut choisir parmi pas mal de choix. Il y a un petit peu moins de choix pour les torses quand même, vous voyez, j'ai déjà fait le tour. Et ainsi de suite, donc on peut vraiment personnaliser le personnage. On peut jouer en solo ou en duo en invitant directement un ami. Et du coup, on va lancer une game directement. Juste sachez qu'actuellement, je vais jouer sur un serveur US. Vous voyez, on a en haut à gauche US, EU et AS. Le fait est que pour le moment, si je lance en EU, je ne trouve pas de partie parce qu'il n'y a pas assez de joueurs dessus. Ou peut-être que les joueurs n'ont pas fait gaffe qu'on pouvait changer en haut les serveurs et du coup lance sur du US. Quoi qu'il en soit, en EU, je n'arrive pas à lancer, donc je vais jouer sur du US. Et autre chose, sachez que le jeu vient tout juste de sortir, donc il y a quelques petits bugs forcément, hein, il faut le comprendre, qui seront très certainement vite corrigés. Il n'y a aucun bug qui est vraiment très gênant, si ce n'est le fait justement de galérer à lancer une partie parce que il y a des problèmes de matchmaking en fait actuellement sur le jeu. Mais encore une fois, c'est des problèmes qui sont très habituels sur une sortie de jeu multijoueur et qui seront très certainement résolus d'ici peu, de toute manière, d'ici quelques jours, donc pas de panique de ce côté-là. Voilà, sur ce, on se retrouve directement en game, je vais vous montrer un petit peu le gameplay. Ok les amis, du coup on se retrouve dans le lobby juste avant qu'une game ne lance, et d'ailleurs ça vous montre un petit peu le genre de problème qu'il peut y avoir sur le jeu actuellement. Regardez, game start in 0, et là vous voyez que ça ne lance pas, pourquoi? Parce que ce sont des parties de 40 joueurs, et vous voyez qu'on n'est plus que 37, 36, enfin bref, ça descend. Tout simplement, à partir du moment où un seul joueur quitte, il n'y a plus aucun joueur qui peut rejoindre le serveur en cours. Et du coup, la partie ne se lancera pas, donc on est obligé en fait de relancer le jeu. Enfin bref, je vous passe les détails, mais c'est le genre de problème qu'il peut y avoir. Peu importe, je voulais quand même vous montrer un truc dans le lobby tant que j'y pense. C'est que, regardez, vous avez la possibilité de discuter avec les gens. Donc par exemple, voilà, on envoie un message. Et en fait, ce message donc, va s'afficher au-dessus de ma tête, vous voyez. Mais on entend aussi mon personnage qui parle. Et ça, c'est assez marrant. Déjà, c'est un petit côté fun aussi qu'il y a dans le jeu. Et encore plus fun que ça, regardez, vous pouvez envoyer votre message directement. Avec le clic gauche, regardez, hop, j'ai envoyé mon message, et il va là-bas. Et regardez, si je l'envoie à mes pieds, vous allez entendre que, voilà, ce message fait du bruit également. Et ça, c'est vachement drôle parce que j'imagine trop la scène où vous êtes en train de vous battre ou si vous avez vu un joueur ou quoi. Et en fait, vous allez envoyer un petit message en mode, hop là, on va faire diversion d'un côté, on va attaquer de l'autre et tout. Ça peut être vachement fun. Ah, et dernière chose que j'ai oublié de vous dire également avant de lancer la partie, c'est qu'il y a un mode entraînement sur le jeu qui vous permet justement de tester absolument toutes les armes du jeu, toutes les grenades, tous les items. Il y a vraiment des trucs assez chelous, il y a vraiment des trucs très 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 loufoques. Et du coup, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai vraiment toutes ces armes et tout ça. Là, je vais faire une première vidéo gameplay pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu. Mais dans la deuxième, vous allez voir qu'il y a vraiment des items de dingue, mais vraiment trop trop fun en fait. Donc, il faut vraiment que je vous montre ça. Bref, ce sera dans la deuxième vidéo du coup, parce que ça prendra pas mal de temps. Sur ce, je vous embête pas plus, on va directement se plonger au cœur du gameplay. Ok, on est parti les amis, du coup, alors voilà, là c'est le fameux bus volant qui n'est pas un bus, qui n'est pas un avion, qui est... D'ailleurs, c'est quoi? C'est des camions, hein? Ah, c'est des camions volants, sachant que j'ai l'impression que chaque joueur... Ouais non, chaque joueur n'est pas dans un camion différent, mais je pense qu'on est, on est vraiment divisé dans tous les camions, je pense quand même. On doit être plusieurs par camion, mais voilà. Du coup, oula, ça bug un petit peu, je voulais ouvrir la map, voyons voir où est-ce qu'on drop.
que là pour le moment il n'y a pas grand chose, donc il y a déjà des gens qui drop, mais ça sert à rien. Enfin je pense en tout cas. Là il y avait des petits bâtiments. On va essayer d'aller à l'industrie directement. C'est assez loin quand même. Ah là il y a un petit village sinon. Est-ce que je peux y aller là? Hop. Comment ça marche le drop? Oh. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Alors ça c'était le drop. Ok les amis. Alors, il faut vite que je trouve quelque chose. Ok, j'ai déjà un pistolet. Bon, là, on n'a pas trop le temps de voir si quelqu'un a drop avec nous ou pas. Hein. Est-ce qu'on peut passer par les fenêtres? Ouais, magnifique. Alors, normalement, on peut loot comme ça aussi. Hop. Voilà, ok, c'est clic droit, donc pour récupérer directement. Très bien. Ça, c'est quoi? Des bandages? Parfait. Donc voyez, on peut loot, ça marche un petit peu comme PUBG hein, finalement. Oh. C'est-à-dire qu'en gros, on peut appuyer sur tab, voir ce qu'il y a à proximité et les récupérer directement. On n'a pas besoin de cibler quelque chose pour le loot. Alors, ça tire là-bas au fond, j'ai l'impression. Il y a rien à loot hein, là. Il y a sûrement des trucs à loot de toute manière dans toute la ville là où je suis. Mais d'abord, on va essayer de récupérer un petit kill si on peut. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On y va. Oh, là-dedans. Là-dedans, il est mort. L'autre est au-dessus. Ok, ok. Ah, le mec est mort, mais il y a un autre mec à l'intérieur, je crois. Je crois pas que ce soit moi qui l'ai tué. Hein. Je crois pas qu'il ait marqué les kills, d'ailleurs. J'ai même pas l'impression d'avoir touché, hein, je vous avouerai. On va se mettre en full auto, du coup. Voilà, ouais voilà, là c'est vraiment marqué quand on fait un kill. Le mec avait l'air à moitié AFK, j'ai pas compris parce qu'il a tué le mec juste avant. Et moi il m'a pas tiré dessus. Bref, voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a un casque, donc ça c'est cool. On va prendre les balles. Hop. Quoi ce bruit? Oh, il y a un véhicule les gars. Oh, faut que je le voie. J'ai pas encore tout loot. J'ai pas loot grand chose d'ailleurs. Ah là-bas, regardez, vous le voyez le véhicule? Il est là-bas au fond. Donc oui, il y a des véhicules dans le jeu, ça c'est vachement cool aussi. Ils sont pas mal fichus, j'ai l'impression en plus. Il y a un viseur là-haut là. Hop. Est-ce que je peux... Voilà, me l'équiper là-dessus, c'est pas mal. Donc voyez, vous avez le système de viseur et tout. Oh là, par contre. Ah oui, si c'est bon, c'est juste que ça m'a switch, ok. Ok, ok. Niveau zone, on est plutôt pas mal. Donc, lui, il avait plus rien. On va quand même finir de loot en haut, c'est pas grave. C'est là de base, je voulais surtout vous montrer le véhicule. Donc, en fait, ce serait bien que je prenne des armes intéressantes. Par exemple, ça a l'air d'être un fusil à pompe, ça a l'air plutôt bien. Et ça, je peux pas le mettre là. Hein. Non. Fusil à pompe, j'ai 10 balles. Et la MP machin, là. Ah mais c'est les mêmes balles que mon AK donc j'ai pas envie de la prendre. Je vais plutôt prendre le fusil à pompe en deuxième. Je peux passer par la fenêtre? Non pas celle-là. Oh si! What? Je sais pas s'il y a des dégâts de chute. On va aller vers le véhicule plutôt que de là où ça tire. Je sais pas s'ils peuvent nous écraser dans le jeu. Ok, le véhicule est quand même assez loin, on l'entend vachement loin. Il s'est planté. Alors est-ce qu'il essaie de se débloquer ou est-ce qu'il sort? Non, il s'est débloqué. Ok, il va se barrer, c'est pas grave. Qu'une seule balle dans le fusil à pompe, ok. C'est assez stylé hein, le fait de pouvoir passer par les fenêtres. En plus, on doit avoir un aspect tellement chewing-gum quand on passe à travers. C'est vraiment le truc du jeu. Ah ouais, regardez en fait, je rentre. Ah ouais, non mais c'est trop stylé. Je rentre avec les pieds en premier là. Ok, du coup j'aurais dû aller vers là où ça tirait en premier puisque là je sais plus trop où c'est. Et puis surtout les mecs ont dû bouger quoi.
Ok, ce truc-là, je crois que c'est le dôme hein, qu'on voit là. Tous les petits. Les genres de piliers que vous avez vu tomber là du ciel. Je crois que c'est le dôme qui commence à pas mal se rapprocher. En fait, les piliers ouais, que vous voyez, ça doit être la prochaine zone. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous voyez, tout autour, il y a des piliers qui sont tombés. Ça doit être le marquage de la prochaine zone. Et en fait, dans le jeu, apparemment, ce sont des murs qui se rapprochent et qui se referment sur nous. C'est pas vraiment une zone, c'est pas un dôme ou quoi, c'est vraiment des murs. Du coup, on aura peut-être l'occasion de le voir. Ok, on a des balles. Ce fusil est peut-être mieux. S'il y a plusieurs balles, peut-être. Ouais, 5 balles dedans, ça peut être pas mal, peut-être. Niveau viseur, ce serait bien d'en trouver d'autres aussi. Ça, c'est des pistolets. Ah, des grenades. Ok, c'est comme ça pour les lancer, très bien. Très bien, très bien. Des bandages ici, ça va être cool, on va prendre au cas où. Alors je sais pas s'il y a un système aussi de medkit, si les bandages c'est un petit peu comme sur la plupart des BR d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ou ça s'arrête à 75, ou si ça peut aller jusqu'à 100 dans ce jeu, j'en sais rien du tout. Après, il y a quand même pas mal de trucs qui ressemblent pas mal à PUBG, donc je pense que ça doit être du 75, les bandages. Il doit y avoir un système de medkit ou autre aussi, j'imagine. À voir. C'est quoi ça? Non, le casque, j'ai déjà un meilleur casque. Il n'y avait que ça, ok. Ça, c'était quoi? C'était une smoke? Yes. Bon, faut que je fasse gaffe parce que ça tirait par ici tout à l'heure. Il reste 16 joueurs en vie. Il n'y a pas marqué mes kills, c'est dommage. Bon, après, je sais que j'en ai un. Ring progress 25%. C'est assez long quand même pour rétrécir. Il y a quand même largement le temps. Il y a largement le temps. On a le temps de fouiller, on a le temps de se mettre bien. Bon, en l'occurrence, là, j'ai l'impression que ça a été fouillé parce qu'il n'y avait pas les balles du shotgun. J'aimerais bien un petit viseur peut-être dessus. Après, en soi, je suis pas trop mal déjà, je pense. Smoke, ça. Ah, je pourrais tester le scope sur la cape peut-être. Voyons voir. Ça a pas l'air mal, hein, le scope sur la cape. Je vais mettre du coup le red dot sur mon shotgun. Yes, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Ok. Ok, joueur. C'est quoi le looping qu'il a fait? Je sais pas si c'est une touche pour faire ça. Vous avez vu, il a fait une roulade. Je sais pas s'il a fait une touche pour pouvoir faire ça. Ah, il est en haut. On va repasser en single au pire. Ça, je vais tirer balle par balle. Parce que là, les foules, c'était pas mal quand je suis rentré dans le bâtiment tout à l'heure. Mais du coup, de là, je tire trop de balles et de toute façon, c'est pas assez précis. Hein, d'accord. Genre, juste le mec qui dit, ouais, je vais passer en single histoire d'être précis. Le mec qui me tape un vieux foule en face. Ah ouais, non, ça va. J'ai cru qu'il y avait un autre joueur. Ah non, ils sont deux? Ils sont deux, par contre, c'est un peu chiant. Non, mais ils me mettent cher de ouf. J'ai l'impression que je prends des dégâts après. J'ai l'impression que ça lag un peu. Après, je suis sur des serveurs US aussi, donc ça peut y jouer. Je suis obligé de me mettre sur ce type de serveur en fait, parce que sinon ça lance pas de partie. Y a pas assez de joueurs en EU ou. Ou alors les gens ne se mettent pas en EU. On va bouger, hein. Oh, par contre.
Attendez, niveau zone. Ah, mais je suis pas du tout dans la zone en fait. Par contre, les joueurs étaient deux, ce qui veut dire que les joueurs duo et solo sont groupés. Dans l'idée, il faudrait que je me tire hein, par rapport à la zone, mais sinon je pourrais tenter de les jouer, mais... Parce qu'ils ont l'air de se battre contre un autre joueur. J'ai l'impression que c'est juste à côté de moi. Mais je pense que c'est ça, il y a trois joueurs en tout à mon avis. Mais vous avez vu, il y en avait deux qui étaient côte à côte, hein. Je pense vraiment qu'ils sont ensemble. Je pense vraiment qu'ils sont ensemble. Alors ouais, on peut mettre des points comme ça sur la map aussi. Je sais pas si on peut les mettre... Oh, c'est un lance-grenade ça. Ouais, après j'ai pas trop envie d'enlever ce que j'ai. Même si j'avoue que ça aurait pu être efficace. Voilà, niveau zone, vaut mieux que je me tire en fait. Hein. Il faut que je me tire, faut vraiment que j'aille plein est. Ouais, c'est un peu dommage que les duos et solo du coup soient groupés. Enfin, soient groupés, soient réunis du coup dans la même game. Enfin, je sais pas si c'était vraiment ça ou si c'est des mecs qui sont alliés du coup après, mais. Mais si c'est ça, ouais, c'est un petit peu dommage. Ok, je pense pas qu'il y ait de dégâts de chute, par contre, ça va. Oh là là. Le dom me rattrape de ouf. Hein. Je sais pas si ça one shot ou quoi, mais. En fait, je vois même pas. Ah si, c'est ce mur là, c'est ces piliers en fait. Ok. Ok. J'espère que c'est pas du one shot parce qu'à mon avis, je vais me le prendre. Je pense que là, je suis hors zone. Hein. Les piliers viennent de tomber. Alors, comment ça marche? Ah c'est ça, je crois. Non, je sais pas. Oh. Si c'est ça en fait, regardez, les piliers tombent et le mur se referme après. Donc à mon avis, si on est dehors au moment où le mur est totalement refermé, c'est fini. Voyez? Vous voyez un peu le principe. Par contre, on n'y voit pas très bien, j'avoue. Je sais pas s'il fait nuit ou s'il y a du brouillard ou quoi. Mais en tout cas, vous voyez, là le mur est en train de se refermer à mort. Et là, c'est terminé pour tous ceux qui étaient encore derrière. Donc j'ai bien fait de me barrer de suite parce que là, sinon, je serais mort. Hein. Là, c'était vraiment très, très limite pour moi. En fait, ça, c'est des piliers qui flottent, qui s'approchent. Ils vont au sol et ensuite, des murs se referment entre chaque pilier. Par contre, là, la zone n'est pas du tout avantageuse. Parce que là, je dois traverser l'eau. Je vais tester de me remettre en bandage. Ok, il faut être à l'arrêt. Pour voir si je peux me remettre full. Ouais non, dans ce jeu, vous voyez, on peut se remettre full avec les bandages, donc ça c'est cool par contre. Donc il y a peut-être que ça en soin, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a des bateaux par contre. Si d'ailleurs, je me demande si ça en est pas un, ça à gauche. Ah ouais, non mais le ring va rebouger, vaut mieux que je bouge comme ça, tant pis. Parce que si je suis pas sûr, si c'est pas un bateau et que je peux pas le prendre... Ah, je peux pas scope ni rien en plus dans l'eau, je peux même... Je sais même pas si je peux tirer. Je vais prendre tellement de temps, mais ça va encore, il y a une partie de l'eau qui est dans la zone. Il reste 6 joueurs en vie, mais je vous avouerai que je crois que j'en ai vu un en face, et du coup s'il me voit dans l'eau, je pense que je suis fini. Hein. Je suis fini les amis. Bon, après 6 joueurs en vie, à mon avis les deux qui étaient en duo là, je pense qu'ils sont morts. Je pense pas qu'ils aient eu le temps de passer. Parce qu'ils avaient l'air de se battre encore à la fin. Du coup il y a moyen. Ouais, il y a un joueur en face. Ah, il m'a vu. Non? Je sais pas. Attendez, on va arrêter de sauter, je suis même pas sûr que je gagne du temps en sautant en plus. Hein. Ok, on est là. Ah, ça venait d'où? Il y a une balle qui est tombée derrière moi. Je suis flippé de ouf. Je sais pas s'il faut tirer au-dessus ou s'il faut tirer pile sur le joueur en fait. J'ai pas encore les notions sur le jeu. Ok, en tout cas au shotgun, ça règle le problème de près. Pourquoi encore 5 en vie par contre? On était pas déjà 5?
On va pas prendre le temps de loot pour l'instant. Bien joué, vraiment. Ah, ils sont à deux. Ils sont deux. Je suis tellement mort, les gars. Ah là là, je suis mort. Ah là là. Ah là là là. Bon, j'ai retué un mec quand même. J'ai fait quoi? J'ai fait 3 kills. Je finis, je crois que je finis 4ème, mais je sais pas, il y avait marqué 4 lives encore. Ou alors c'est parce qu'il y a des groupes et qu'ils comptent que comme 1 en groupe, du coup. Donc en fait, il y aurait plus de joueurs. Je sais pas trop comment ça marche. Ça me semblait un petit peu bizarre les comptes, parce qu'il me semblait que le mec derrière était mort aussi. Ou alors j'ai juste mal vu, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, la game était sympa. Effectivement, a priori, les duos sont mélangés avec les solos, ce qui est un peu dommage, mais c'est susceptible de changer. Hein, on rappelle que le jeu vient tout juste de sortir. À mon avis, il y aura des changements. Voilà, c'est un petit peu comme pour les serveurs. Je vous dis, les serveurs sont... J'allais dire un petit peu buggé, ouais, c'est juste que c'est un petit peu compliqué des fois de lancer des games. En EU, déjà, je vous dis, il y a vraiment pas grand monde, donc on est obligé d'aller en US. Et quand on lance des games, c'est vrai que des fois, il suffit qu'il y ait qu'un seul joueur qui quitte et du coup, la game ne lance pas. Et j'ai l'impression que le serveur n'accepte pas de nouveaux joueurs à partir du moment où quelqu'un a quitté. Donc, on est obligé de quitter la partie, d'en relancer une et ainsi de suite. Et vu qu'il y a sûrement pas mal de crash ou quoi, bah, c'est vrai que souvent, on est obligé de relancer en fait, des nouvelles parties pour essayer d'en trouver une qui lance, tout simplement. Donc, pour le moment, il y a quelques petites instabilités de ce côté-là, mais en soi, c'est pas... trop grave, je trouve, étant donné que c'est un jeu qui vient de sortir et c'est tout à fait logique ce genre de problème. Donc ce sera très certainement résolu d'ici quelques jours. Et en attendant, non, le jeu est très fun, il est très sympa, il est moi j'aime bien. C'est voilà, c'est vraiment un truc pour pas se prendre la tête, c'est amusant, c'est pas mal. Juste voilà, pour moi le seul bémol, c'est le fait de tomber contre des teams sur des games solo, c'est un peu dommage parce qu'en soi, bah voyez sur la fin, bon après j'ai pas le coup de main non plus, je suis pas très bon non plus ni rien, mais voyez, ça aurait été que des joueurs individuels, j'aurais eu une chance peut-être. Là par contre, les mecs qui étaient en duo, je savais très bien que j'aurais jamais tombé les deux parce que j'ai pas encore l'IM qui va avec. Vous voyez, l'AK, je sais pas encore trop comment elle se gère. J'ai tendance à tirer un petit peu en random en fait. Des fois, je tire un peu au-dessus, mais je sais pas trop si je touche ou pas. Du coup, des fois, je tire un petit peu en dessous, mais j'en sais rien non plus. Donc voilà, ça va être une prise en main qu'il va falloir prendre au fil du temps. Bref, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Je vais peut-être faire d'autres games. Je vais peut-être essayer de voir si on arrive à lancer en duo, mais c'est pas mal bugué pour l'instant aussi. D'essayer de lancer en duo, c'est pire qu'en solo, du coup, on verra, ça va peut-être pas pour de suite, mais je pense que je vais refaire quelques games sur le jeu, parce que j'aime bien, pour ma part. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt.